Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va apprendre à résoudre les inéquations de la forme f de x inférieure à k ou f de x supérieure ou égale à k, où k est un réel fixé. Et vous allez voir que k peut prendre différentes valeurs, 5, moins 3 par exemple. Et la fonction, ici, on va travailler avec la fonction carré. On fera un petit bilan de tout ça juste après, adapté à la fonction carré. Et on va réfléchir sur tous les cas possibles ici, avec le schéma. Alors, je vais appeler S1, S2, S3, S4 l'ensemble des solutions de chacune des inéquations. Ce sont l'ensemble de toutes les valeurs pour lesquelles on a x carré plus petit que 5. Ça, c'est S1. S2, c'est l'ensemble de toutes les valeurs pour lesquelles x au carré est supérieur ou égal à 5. On va maintenant résoudre l'exercice et on va le faire tout de suite. Alors, ici, on a la fonction carré, la parabole. Et on va résoudre l'inéquation x carré inférieur à 5. Ici, j'ai 5. Et je cherche toutes les valeurs de x pour lesquelles x carré est inférieur strictement à 5. Donc il y a celle-ci. Je vous rappelle que racine de 5 au carré, ça fait 5. Et on a aussi celle-ci, hein. Évidemment. Donc là, moins racine carrée de 5. Moins racine de 5 au carré, ça fait 5. Ainsi, les valeurs qui nous intéressent, quelles sont les valeurs qui au carré sont inférieures strictes à 5? Eh bien, ce sont toutes les valeurs qui sont sur cet intervalle-là, mais attention, on met des crochets vers l'extérieur car on ne prend pas racine de 5, moins racine de 5, et on ne prend pas racine de 5 parce qu'au carré, ça donne 5, et nous, on veut inférieur strictement, pas égal. Tout simplement. Donc, S1, l'ensemble de nos solutions, c'est l'intervalle moins racine de 5, racine de 5. Intéressons-nous à S2. S2, c'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles x carré est supérieur ou égal à 5. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sera donc toutes les valeurs qui seront ici. Toutes ces valeurs-là, elles ont une image supérieure ou égale à 5. Donc, on va prendre quoi? On va prendre toutes les valeurs de moins l'infini jusqu'à moins racine de 5. Alors, est-ce que je prends moins racine de 5? La réponse est oui. Alors, le crochet comme ceci, ça veut dire que la valeur est acceptée, vers l'extérieur, refusée. L'infini, les crochets sont toujours vers l'extérieur parce que l'infini ne s'atteint pas et on ne peut pas prendre ces valeurs. Donc, avec l'infini, crochet toujours à l'extérieur. On va écrire union parce qu'on va se donner donc toutes ces valeurs-là ou toutes ces valeurs-là. Le symbole est là, veut dire union ou. Donc, racine de 5 jusqu'à plus l'infini, crochet vers l'extérieur. Donc, toutes ces valeurs-là sont acceptés. En effet, vous pouvez juste le remarquer, hein, je n'ai pas construit la courbe jusqu'au bout, ici, mais si je prends cette valeur-là, eh bien vous voyez bien que l'image de x carré est supérieure à 5, hein, tout simplement. Alors, on va résoudre ces deux inéquations et on va prendre ce schéma ici. On cherche toutes les valeurs de x pour lesquelles x au carré est supérieur ou égal à moins 3. Et regardez, n'importe quelle valeur que je choisisse, son carré est positif ou nul, et donc supérieur ou égal à moins 3. Ainsi, l'ensemble des valeurs, eh bien, toutes les valeurs conviennent. N'importe quel réel que je choisis, son carré, n'importe quelle valeur de x que je choisis, au carré, le carré c'est toujours positif, est supérieur ou égal à moins 3. Donc toutes les valeurs conviennent. S4. Quelles sont les valeurs de x pour lesquelles x carré est plus petit que moins 3? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une petite droite comme ceci. Là, vous voyez qu'il y a moins 3. Quelles sont les valeurs de x pour lesquelles le carré est inférieur à moins 3? Vous voyez bien qu'il n'y a aucune valeur qui convient. Toutes les valeurs de x que je prends quand je les mets au carré, elles sont toutes supérieures ou égales à 0. Aucune n'est inférieure ou égale à moins 3. Par conséquent, aucune valeur convient. La réponse, c'est ensemble vide, tout simplement. Alors, ici, on va à présent faire un petit bilan de ceci. Je vais effacer et on va plutôt répondre à cette réponse-là, à cette question-là, pardon. Et je vais donc tout simplement faire un petit bilan. Parce qu'au niveau de la classe de seconde, vous avez quand même une difficulté, c'est que vous allez de plus en plus utiliser des lettres comme ceci et donc il faut s'y habituer. On a fait le début de l'exercice sans lettres, donc premier cas. Si k est négatif, eh bien l'inéquation pardon, x carré inférieur à k n'a pas de solution.
Deuxième cas. Si k est positif, par exemple, bien l'inéquation pardon, x carré plus petit que k, x carré plus petit que k, a pour solution eh bien, l'ensemble des solutions, ça sera toutes les valeurs qui vont de moins racine de k à racine de k. Alors, comme j'ai mis un symbole inférieur strict, eh bien, les crochets sont vers l'extérieur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et bien sûr, il y aura une autre inéquation hein, avec laquelle on pourrait travailler, c'est celle-ci, x carré supérieur à k. Alors, x carré supérieur à k, eh bien, les solutions, je vais vous les donner, eh bien, ça sera moins l'infini, moins racine de k, crochet vers l'extérieur, parce qu'on a un symbole supérieur strict, union, et je vais l'écrire ici, union, racine carrée de k, plus l'infini, tout simplement. Alors ça, c'est un peu délicat, mais il faut le voir sur le schéma. Si par exemple, on refait ce schéma ici et que je vais peut-être l'effacer, ça sera plus simple pour vous. Vous le voyez ici, par exemple, le k, hein, il pourrait correspondre à cette valeur-là. Et vous, tout ce qui vous intéresse, ce sont toutes les valeurs pour lesquelles x carré est supérieur à k. C'est ce que vous avez vu pour l'exercice où on vous a demandé de résoudre x carré supérieur strict à 5. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et bien ici, le 5 qui correspond au k, tout simplement. C'est exactement la même chose. Donc tout à l'heure, on avait trouvé moins l'infini moins racine de 5, union, racine de 5 plus l'infini. Voilà, ça, il faut vraiment le comprendre, mais idéalement, vous pouvez le faire avec les schémas, et puis après, vous retrouverez ça très facilement. L'idée, c'est vraiment de comprendre les choses. Je vous remercie et à très bientôt.